Et puis, salut tout le monde, c'est Speedily, on se retrouve sur M7Sou. La dernière fois, on est rentré dans le nouveau temple, on avait ouvert, et puis voilà les mêmes monstres qui changent de couleur. Là, bon, il n'y a rien à faire ici. Oh. Vite, 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 c'est beau. Ah bon, on continue ici, et puis. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy! Vous avez foutu qu'il soit autant que ça? Toutes les assemblées, nice, 3 d'un coup. Merci. Voilà, on vient d'en finir deux. Tout ce qui me manque, c'est le serpent. Le serpent, il va me faire mal. Et... Ok, c'est bon. ...120, 116. Et voilà, c'est bon. Ouais, les serpents sont plus forts. Mais ça reste toujours le même. Ça reste toujours le même monstre, la même couleur. Ben, pas la même couleur, c'est juste que ça reste la même forme de monstre. Ah, je sens... Mon petit doigt me dit quelque chose qui changera ici. Bingo. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je vois un coffre en dessous. Qu'est-ce que je vois à ma droite? Je vois rien du tout. Alors bon, il faudra ou descendre ou continuer. Alors on va descendre. On va esquiver les monstres. Une cabine de 3. Et il n'y a plus rien. Bon, on peut esquiver les monstres. C'est bien. C'est bien. Ça nous fait gagner du temps. Alors... bon, j'ai pas le choix. De toute façon, il m'a bien bloqué. Fais-moi un cyclone, s'il te plaît. Retourne-moi les. Fais-moi ça. Fais-moi une demi. Bam. Et on va les bloquer à deux. Et on les finit comme ceci. Plan. Et voilà, c'est bon. Time kill. 888, niveau 34. Et puis, non, on est rendu quel niveau? On est niveau 36, 36, 34. Ok, alors on a de l'éther. Ok, c'est bon. De toute façon, on n'a pas besoin de beaucoup là. J'utilise quand même pas beaucoup mes sorts. Alors. Qu'est-ce qu'il y avait à ma droite? Il y avait un coffre. Alors, on va le refaire. Et peut continuer à les sauter, Artena. Ne tombe pas. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un ancien truc vert. Je sais pas c'est quoi. On a 3 serpents. Je pense qu'ils vont pas comprendre. Oh, ok, c'est bon. C'est passé vraiment sur le cul. S'il était juste un peu plus à droite, je pensais pas. Alors, nouvelle arme, une Afraid. Je sais pas c'est quoi cette truc. Ils m'ont dit S. Alors, S, c'est quoi une Afraid? Activate Afraid in battle. During the combat, durant le combat, there's a low chance the barrier will trigger causing the resistance to be raised at 100. Bon. C'est juste que tu restes ta résistance à 100, jusqu'à ce que tu sais pas congeler, mais c'est vraiment. T'as vraiment peu de chance, alors bon. Yeah. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu veux pas m'affronter? Parce que c'est sûr que les XP sont importants, mais bon. Au nombre d'expériences que j'ai faites contre le petit. Contre... Oh shit, il vient me bloquer bien. Ah là, ils m'ont bien bloqué, là, ce qui s'est passé. Fais-moi une demi, s'il te plaît, sur le sapin, comme ça, toutes les ramener. Dire, tu me fais une attaque, s'il te plaît, sur lui. Excusez, tu me fais... Non ! Ah, l'enfoiré ! Je vais même l'avoir, là. Ah, là, c'est sûr qu'ils vont tous m'avoir. Bite, bien sûr. Bite, bien sûr. Et bite, bien sûr. Ah, ouais, ils se mettent toutes sur elle. Fais-moi encore une demi. Et voilà, on va prendre 1000 points d'expérience, ça c'est sûr. Bon. On utilise... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à ma droite? Il y a un coffre, on peut pas ouvrir. Je comprends pas plus comment l'ouvrir, alors bon. Et voilà, encore une deuxième. Qui est cette personne? Oh, les 10 juniors, merci, vous êtes sauvés. Mais qui est cette personne? Tu connais cette fille qui est derrière toi dans le village? Oh, une fois le royal. Oh, Blood. Oh, roi royal. Il faut pas être décevoir. La femme qui est devant vous, c'est pas une femme, mais c'est un monstre, ok? Ou quoi? Elle t'a suivi après et elle est restée dans ses ruines, dedans, dans ses ruines.
What? Non, je ne suis pas monstre. J'étais vraiment inquiet pour toi, mon Alges. Je suis venu pour vous aider. Oh, sang royal. Il faut pas genre être aveugle, genre. Ah, qui dit cette voix? Arrêtez de mentir, s'il vous plaît. Le roi. Ouh, ça c'est. Le d'outil, c'est-à-dire genre to guard his runes. Le roi. L'épreuve, ben. Le devoir du roi est de. Et de garder ces ruines. Les monstres doivent être éliminés. Non, c'est pas vrai. S'il vous plaît, croyez-moi. Damn it. Qu'est-ce qu'il veut, Jean? On peut pas dire que c'est un humain, enfin. Si c'était vraiment une fille normale, comment elle a pu nous suivre jusqu'ici? Ça fait pas de sens. Mais elle est vraiment humaine. C'est une mauvaise décision pour nous coûter notre vie. Un roi doit porter beaucoup de vie, genre dans ses épaules. Je comprends ces trucs-là. Noda, puis demande encore. C'est toi qui demanderas si c'est le sacrifice ou c'est le meurtre. Puis j'ai envie de vous connaître. Comment? Non, bullshit, c'est sûr que la voix est morte encore. Pourquoi tu ne vois pas, genre? Et pourquoi cette raison? Pourquoi la réponse de cette raison? Que ce soit mon épée, mon ennemi soit un monstre ou un humain, je vais jamais lever ma lance quand aucune preuve est réfutable. Un roi doit apporter prospérité à son royaume, même quand c'est des ruines. Et un roi doit. T'es tout saut. C'est genre un devoir du roi de faire la même chose. Si son peuple n'endure pas, genre, les taxations, comment faire? Des soldats, c'est-à-dire des soldats. Not cast aside their own life for him. Si les soldats ne se mettent pas devant leur propre vie devant pour faire ces gens certains morts. De toute façon, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment weird that rest on it. De toute façon, c'est vraiment le poids genre du roi qui fait. Sa décision sera pas vraiment à la légère. Même si cette personne de vraiment ne montre pas d'animosité. Que ça peut être un monstre ou un humain, genre, il y a toujours une place pour la discussion. Après ça, on décidera si pour l'éliminer une fois pour toutes ou il n'y a aucune preuve que c'est un ennemi. Ces actions ne sont pas le roi, c'est celui d'un genre de malade, genre. Mais déjà, merci beaucoup. True, vous avez bien répondu. J'étais vraiment humaine, dedans et dehors. Elle est rentrée dans les ruines et je l'ai capturée. Je lui ai envoyé genre dehors dehors de la porte là qu'on est rentré. Merci. Le mot du roi, c'est la loi sur son peuple, sur le peuple. Et, de toute façon, des fois, on peut gouverner certaines vies. Il devrait jamais parler avec hésitation, même pas accuser quelqu'un sans vraiment savoir la vérité. Engravez ces mots sur votre cœur et continuons. Le mec, il va me poser une question, genre à la fin, il va me poser une question et me dire qu'est-ce que j'ai dit au deuxième? J'étais like. Ah, oh, merde, l'enfoiré! J'étais like, je sais qu'il va me faire ça. Regardez bien, regardez bien. On va arriver là-bas, il va me poser une question comme ça, il va me dire quels étaient les trois mots que je vous ai posés. J'étais like. Ah, les petits écureuils! Wouh! Bah, on va pas les tuer là. Ah, il y a quelque chose. Bah, alors, je voulais vous les tuer. Est-ce que je l'ai fait? Ok, il a juste tapé l'homme mais pas celui devant, pourquoi? Hey, il est pas mort! Ok, lui c'est sûr qu'ils vont commencer à courir, on peut pas les toucher pour l'instant. Lui il me jette une snowball, ok. Ah, un point de vie, t'es sérieux là? Fais-moi un pinpoint, s'il te plaît. Je suis mieux d'attendre que lui descend. Ah, t'es pas sérieux. Non, non, mais pourquoi t'attaques lui? Et voilà, lui est fait. Là, il faut juste attendre que lui redescend. Je me suis dit, comment un monstre serait capable de rentrer ici? Alors qu'il peut pas rentrer. Genre, déjà que nous, on a eu du mal à les battre. Alors bon. Il l'a capturé.
616, bouh, c'est pourri, bouh. Ok, un bon cas, un masque de bronze déformé. Il y a l'air... Ah, maudit. Il y a comme genre 4 monstres. Saute, Artena. Ouais, enfin, bon saut, vous faites des bons sons, ouais, mais pour vous battre... Oh, une chance que je l'ai activé. Une chance que je l'ai activé. C'est une fois que je refais le voyage de retour. On voit qu'on peut partir. Bon, là, on est bien baisé parce qu'il vient nous bloquer tout le chemin. Mais attends, c'est... What? Oh, crotte. Bon, c'est pas le choix. Fais-moi un cyclone, s'il te plaît. Mais qu'il n'y ait même pas un qui touche. Non, oh, come on, mec, ils sont pas si forts, là. Lol. Il n'y a pas un qui a voulu continuer à rouler. Au moins, on a eu deux. Ils sont sérieux, là? La vie comme ça, on va reprendre toute la vie, nous. Ah, je pensais que c'était pour tout le monde. Ok. Si tu me fais un diffuse sur une potion, s'il te plaît. Ping, et voilà, on va prendre toutes 225. On va attendre que lui redescende. Faudra que je prenne de l'éther aussi. Mais il est sérieux, résistez. Putain, c'est bon là, vous avez assez de vie, les mecs. 1232, beaucoup de choses. Faudra après que j'utilise de l'éther. Un Shining Oracle, c'est un talisman. Mec, c'est pourri, genre. Mec, on est rendu parce qu'à la fin du jeu, puis. C'est vraiment pourri, qu'est-ce qu'il m'offre là? Non! Ah. Je me tue le petit oiseau, puisque voilà, ils sont pas bien protégés. Voilà. Nice. Mais comment on peut rater ça là? Miss, nice. Il continue de courir, c'est bien, ça me dérange pas. Paralysie de l'éther. Tu me fais un diffuse, s'il te plaît. On va le reprendre tout. On va attendre que lui redescende. Encore attendre une petite seconde. Touché. Je pense que quand tu vises la boule, genre quand tu es devant la boule, ben ça marche pas. Ouais, genre comme. C'est vraiment bizarre. Genre quand le truc il vise. Quand t'es en train. Ben alors, come on, mec. C'est vraiment bizarre comment ça marche, genre la précision dans ce jeu là.
Mince, alors que lui, elle avait même pas besoin. Bon, vous savez quoi, tout le monde, on va s'arrêter là pour l'instant, tout le monde. J'espère que vous appréciez cette petite vidéo sur M7SO là. Oh, pas encore vous. Ok, non, il y a des pierres en plus. Bon, on va juste. Vous savez quoi, avant de finir. Tiens, tout ça prend des coups, toi. Ça le tue même pas. Il me fait un right en train de le runner dessus. Lui, il va me faire un throw, je pense. Ouais, vous voyez. Bon, dire, tu me fais un pit point dessus. Oh, come on! Voilà, là, on va attendre que lui redescende. Et voilà, bon, on va s'arrêter là pour l'instant, monde. J'espère que vous appréciez cette petite vidéo, Sam Setsuna. N'oubliez pas de partager et commenter comme toujours. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao tout le monde!